L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Les mots prononcés le 9 mai 1950 par Robert Schuman n'ont jamais trouvé en nous une telle résonance. Et ce projet de souveraineté, à la fois française et européenne, n'a jamais eu autant de sens. Ici, il y a 70 ans, la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, proposait à l'Allemagne de mettre en commun ce qui leur était le plus précieux, ce qui fondait leur puissance, leur charbon et leur acier. Nos deux pays étaient bientôt rejoints par d'autres, et moins d'un an après, pour bâtir la paix, les 6 pays fondateurs de la Communauté européenne du charbon et de l'acier se retrouvaient, ici même, pour placer sous un même contrôle ce qui leur permettait jusque-là de se faire la guerre. Alors ce projet de paix et de prospérité est devenu celui des 27 États membres qui constituent aujourd'hui l'Union européenne. Ce projet a permis la réunification du continent européen. Aujourd'hui, le défi d'utilité de notre Europe est la protection de la santé des Européens. C'est la raison pour laquelle, dès le début de la crise sanitaire, le président de la République a défendu une réponse européenne. Pour nous donner les moyens de combattre le virus ensemble, nous devons à nouveau mettre en commun ce qui est pour nous le plus précieux et en faire bénéficier le monde entier. Notre recherche médicale, les médicaments et les équipements médicaux. C'est d'ailleurs l'objectif de l'initiative mondiale que nous avons prise sur les vaccins et lancée le 4 mai dernier. Ce partage doit être durable et il doit devenir un nouveau pilier de notre souveraineté européenne pour nous permettre de faire face ensemble aux défis sanitaires et démographiques qui nous concernent tous, que l'on songe aux épidémies, aux maladies chroniques, aux cancers, au sida, aux conséquences du réchauffement climatique sur notre santé ou encore au vieillissement de la population. Il y a 70 ans, les Européens qui avaient survécu à l'horreur des deux guerres mondiales ont dit à leur gouvernement « plus jamais ça ». Notre génération doit aujourd'hui entendre le message que nos concitoyens nous adressent. Montrer que l'Europe est plus que jamais la solution. Alors aujourd'hui, il nous faut construire ensemble une Europe de la santé pour ne plus jamais revoir nos soignants manquer de moyens pour soigner les autres et pour se protéger eux-mêmes.